Bonjour à tous. Allez, on repart au sommet du G7. Soir, vous êtes tombé sur une scène totalement improbable entre les présidents Emmanuel Macron et Joe Biden. Oui, on pourrait appeler ça malaise TV, Philippe. La séquence s'est déroulée en marge du G7 qui se tient actuellement en Allemagne. C'est BFM TV qui l'a retransmise et elle est, comment vous dire, spectaculairement embarrassante, je vous raconte. À l'image, le président des États-Unis est à l'extérieur. Il marche avec quelques-uns de ses conseillers. Il est en grande conversation avec l'un d'entre eux lorsque, tout à coup, Emmanuel Macron presse le pas, le rattrape et l'apostrophe. Il s'excuse de l'interrompre et, alors qu'une caméra parfaitement visible est en train de les filmer, Macron s'adresse à Biden en anglais et lui dit ceci. Nous avons traduit ses propos en français pour que vous les compreniez parfaitement. J'ai pris la décision d'appeler le président des Émirats Arabes Unis. Je lui ai demandé d'augmenter sa production. Voilà, il lui explique que pour tenter de résoudre la flambée des prix du pétrole, il a pris une initiative. Joe Biden a l'air totalement interloqué, il a le regard du lapin pris dans les phares d'une bagnole, mais Emmanuel Macron continue malgré tout de lui parler. Il m'a dit deux choses. D'abord, qu'il est au maximum. Et ensuite, il m'a dit que, selon lui, les Saoudiens peuvent augmenter un peu leur production, mais pas dans de grandes proportions. Biden regarde alors Macron en se demandant ce qui est en train de se passer. On voit qu'il est infiniment gêné, mais le président français continue devant la caméra à lui raconter son coup de téléphone confidentiel. Enfin, concernant ce qu'on va faire à propos du pétrole russe, il m'a dit que nous devions nous assurer que l'Inde... Joe Biden finit donc par lui faire les gros yeux, il n'est pas content du tout, il montre la caméra d'un petit coup de menton et Emmanuel Macron comprend enfin l'embarras de son camarade américain. Oui, ce sera mieux, on va continuer à l'intérieur, lui dit-il. Voilà, alors en d'autres termes, Philippe, Emmanuel Macron a expliqué au monde entier, puisqu'il y avait une caméra et un micro devant lui, une stratégie qui aurait dû rester totalement confidentiel. Joe Biden a immédiatement saisi l'absurdité de la démarche, mais pas Emmanuel Macron, ce qui a fait dire à l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Haro, qui était présent lundi soir sur le plateau de BFM TV. J'ai l'impression que nos hommes politiques ne sont pas au courant des capacités technologiques des micros. Le diplomate qui a immédiatement poursuivi son analyse en expliquant ceci. Je pense qu'il n'a pas vu qu'on l'écoutait. Hein. Honnêtement, il avait aucun intérêt à dire cela devant les caméras, alors qu'il vient d'avoir au téléphone le président des Émirats Arabes Unis. Alors, personnellement, Philippe, je pense que Gérard Haro se trompe, ou alors qu'il est resté extrêmement diplomate, car le G7 est l'un des endroits au monde où la communication est la plus maîtrisée, contrôlée, encadrée. Il est donc strictement impossible qu'une caméra ait été placée là par hasard, et encore plus improbable qu'Emmanuel Macron ne l'ait pas vue. Il a donc, au contraire, assurément voulu profiter de cet œil médiatique braqué sur lui pour montrer qu'il était très complice avec le président américain, mais également qu'il n'hésitait pas à prendre des initiatives et à se retrousser les manches pour essayer de faire baisser les prix de l'essence. Alors voilà, tenter de se donner de l'importance en public pour mieux masquer qu'on en a finalement assez peu en privé, c'est une stratégie de communication politique qui porte désormais un petit nom, un splendide néologisme que les Ukrainiens ont inventé pour désigner le fait de se montrer inquiet d'une situation, de le dire haut et fort, mais de ne finalement rien faire concrètement pour la résoudre. Ils appellent ça macroner. Nous allons en Sibérie voir des familles qui ont perdu des enfants au combat en Ukraine. Le cimetière de Kassourka, près du lac Baïkal, en Sibérie. Le village compte 700 habitants et déjà, trois tombes où reposent des soldats morts en Ukraine. Parmi eux, Alexei Martinov, mort à l'âge de 19 ans. C'était un bon garçon. C'est triste qu'il n'ait pas vécu plus longtemps. Sa mémoire sera honorée. Il y a la tristesse et le contexte. Dans le bureau du maire figure ce poster. Une incitation pour le recrutement au sein de l'armée russe. Afin d'atteindre les objectifs du Kremlin pour l'opération militaire en Ukraine, fin mai, le Parlement russe a aboli la limite d'âge pour les soldats professionnels. À partir de 18 ans, les jeunes hommes peuvent ainsi être envoyés à la guerre. Tout le monde ici comprend que cette opération militaire est nécessaire pour protéger notre patrie et les Russes vivant en Ukraine. Nous approuvons les décisions de nos dirigeants. Personne n'est contre eux. À 6000 km de Moscou, dans ce village,
Le discours officiel est donc parfaitement relayé. Mais il semble moins respecté lorsque l'on approche des gens qui ont connu Alexeï de près. J'ai essayé de dissuader Alexeï de rejoindre l'armée. Pourquoi envoie-t-il des jeunes de 18 ou 19 ans sans expérience et pas des hommes mûrs? C'est de la chair à canon. Il meurt pour rien. Je ne soutiens pas l'opération militaire. Maintenant, beaucoup de gars que je connais sont remplis de rage et de douleur. Ils veulent aller se battre. Anastasia estime qu'Alexeï est une victime. La tante d'Alexeï pleure, elle, un héros. La mère de ce soldat n'a pas souhaité apparaître dans ce reportage, mais elle a tout de même consenti, en quelques mots, par téléphone, à livrer son sentiment. Pour moi, il était mon garçon. Mon fils. Qu'est-ce que j'en ai à faire qu'il soit mort en héros? Des jeunesses fauchées pour rien ou des héros à célébrer? En ayant chacun une idée sur la question, les employés municipaux dans ce cimetière de Casurta creusent de nouveaux emplacements. André Berkoff reçoit Jacques Beau. Mais en attendant, la guerre continue, en attendant, la tension augmente du coup depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, par les forces russes. Et on en parle et on est toujours content de le recevoir avec Jacques Beau. Jacques Beau, vous êtes ancien colonel dans l'enseignement stratégique suisse. Vous avez été partie prenante, vous étiez à Maïdan en 2014, évidemment. Vous avez assisté à toutes ces négociations en tant que... Effectivement, vous étiez à l'OTAN à l'époque, je crois. J'étais à l'OTAN, effectivement. C'est ça, voilà. Absolument. Et oui. Je me suis occupé de différents projets qui touchaient à l'Ukraine, d'ailleurs, à l'époque. Donc, les pays de l'OTAN vont porter à plus de 300 000 militaires leur force à haut niveau de préparation. Par exemple, vous parlez de cette force de réaction rapide. Autrefois, il y a 40 ans, c'était une force qui comptait 20 000 hommes ou très peu. Oui. Puis elle a progressivement augmenté. Maintenant, c'est... Mais il ne faut pas oublier... Dans 300 000 hommes, oui. Oui, 300 000 hommes. Ce n'est pas une force qui est là en permanence. C'est une force qui est mobilisable très rapidement. C'est une force de réaction qui est destiné à marquer l'unité de l'OTAN en cas de conflit. Le fait qu'on passe à 300 000 n'est pas nécessairement une bonne indication, à vrai dire, parce que, et il n'est pas sûr d'ailleurs que l'OTAN arrive à mobiliser cette force-là au total. Pourquoi ? Ils n'ont pas les moyens ? Vous voyez qu'aujourd'hui, déjà rien que ce que les Américains ont donné aux Ukrainiens les poussent à bout. En termes de logistique. Il y a une étude très intéressante qui a été faite par l'Institut Royal de Recherche Stratégique britannique, et le RUSI, et qui a montré que, par exemple, les Ukrainiens réclament 500... ils disent qu'ils utilisent 500 missiles par jour. Missiles anti-char. Bon, c'est probablement, ou par semaine maintenant. Mais enfin bref, c'est de très court terme, 500 missiles. Mais les Américains en produisent 2000 par année. Ah oui, d'accord, de ces missiles-là. Oui. Voilà, de ces missiles-là, on parle des missiles Javelin. Donc les Américains vont pas se désarmer complètement, c'est donc, ça qu'ils disent. Le problème, c'est que les Américains sont plus ou moins déjà à bout en termes industriels. Contrairement à ce qu'on pense, l'industrie de l'armement... Pourtant, le fameux complexe militaro-industriel américain qu'on dit surpuissant... Il est évidemment très fort quand il s'agit de construire des porte-avions, des avions de combat, des avions performants, il est très fort en matière de recherche et développement, etc. Mais quand il s'agit d'alimenter une guerre au jour le jour, c'est pas nécessairement plus simple. On voit déjà, même les munitions sont un problème. Avançons un peu. Au fond, où en est-on ? Et vous disiez, hors antenne, Jacques Beau, qu'au fond, les pertes ukrainiennes étaient quand même très lourdes, d'après les Ukrainiens eux-mêmes. Elles sont massives. Selon un conseiller de Zelensky, les forces ukrainiennes perdent 1000 hommes par jour. C'est-à-dire entre 200 et 500 tués, et le reste qui sont prisonniers ou déserteurs, ou blessés, bien sûr. Donc ça fait 1000 hommes par jour, ça fait donc une brigade tous les 3 jours qui disparaît en Ukraine. Et actuellement, depuis maintenant plusieurs semaines,
L'armée ukrainienne régulière est pratiquement encerclée ou détruite. Et ce sont des réservistes ou des gens, des troupes territoriales qui viennent, qui sont amenés au Donbass, qui sont très mal entraînés, qui sont entraînés juste pendant quelques jours avant d'être envoyés au combat. Ce qui se passe, c'est que ça crée des tensions en Ukraine de l'Ouest ou du Nord, parce que les mères et les enfants et épouses manifestent. Et on a une idée des pertes russes? Ou bien les Russes sont très discrets là-dessus? Les Russes sont très discrets là-dessus, donc on ne sait pas les chiffres. Et les chiffres qui tournent sont des chiffres qui viennent de sources ukrainiennes. Donc, ils ne sont pas très fiables. On n'a pas d'idée. On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que les Russes, plus le temps avance, moins les Russes ont de pertes, en réalité. Ah ouais. Ça, c'est aussi un phénomène intéressant. Parce qu'il y a un phénomène de... Ils ont appris, si j'ose dire, à se battre. Ouais, ouais. Et c'est vrai que la zone du Donbass est une zone qui a été fortifiée pendant 8 ans par les forces ukrainiennes. Donc c'est des zones qui, avec des tranchées, avec des réseaux de bunkers, etc. C'est très compliqué. Et il y a eu un effet d'apprentissage, si vous voulez. Et aujourd'hui, les Russes ont des tactiques qui font qu'ils perdent beaucoup moins d'hommes qu'au début. Qu'est-ce qui s'est passé? On en a beaucoup parlé depuis 2 jours quand même, et effectivement, en le dénonçant. Si c'est vrai, c'est un crime assez abominable. Enfin, c'est la guerre, mais quand même, la guerre ne justifie pas tout. Qu'est-ce qui s'est passé au centre commercial? On dit qu'il y a un centre commercial détruit à Kremenchuk, donc en Ukraine, et qu'il y avait 2000 civils, même Zelensky l'a dit, et que voilà, c'était un massacre, et il n'y avait rien d'autre. En fait, Jacques Beau, et vous n'êtes pas le seul, d'ailleurs, vous dire non, c'est pas vrai, c'était une usine d'armement qui était, oui. Alors, le centre commercial est adossé à une usine qui traditionnellement fabrique aussi des armes, Kredmash. Et cette usine, elle abrite les équipements qui étaient fournis par l'Ouest, donc les obusiers, les munitions, qui étaient fournis par l'Ouest. Et ces armes, au fur et à mesure qu'elles arrivent en Ukraine, elles sont évidemment dispatchées dans des dépôts, etc. Et c'est ce qui s'est passé là. Et les frappes, il y a eu 2 missiles qui ont été tirés sur l'usine de Kredmash. C'est des missiles extrêmement précis, ils ont frappé de manière très précise l'usine. Et c'est, comme j'ai dit, il y a des munitions, il y avait des munitions là-dedans. Et ce sont en explosant que ces munitions ont mis le feu au centre commercial. Qui était occupé ou pas? Alors, il y avait certainement... Parce que là, les uns disent oui, les autres disent non. Alors, moi, j'ai regardé, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai regardé sur Google Maps, le centre commercial était indiqué... Pas toutes les, mais la plus grosse partie du centre commercial était indiquée comme fermé de manière permanente. Sur Google Maps. Sur Google Maps. Cette mention a disparu quelques heures plus tard. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y avait certainement le plus gros élément de ce centre commercial était probablement fermé, effectivement, et qu'il restait encore des négoces ouverts là-dedans. Il y avait probablement des gens là-dedans. Mais ça n'est pas ce que les Russes ont... Ont visé en premier, quoi. Même jamais. Rétroville... Ce ne sont pas des anges, les Russes, non plus. Non, on ne va pas dire ça. Mais... Quel était le principal, je dis bien le principal, mot d'ordre de l'OTAN à Madrid? C'est ce que nous révèle Vincent Herouette. Oui, l'OTAN qui n'a qu'un mot d'ordre à l'ordre du jour de son sommet qui commence, là, l'unité, et il n'y a qu'un seul ennemi à tenir en joue, la Russie. Alors il y a un bon côté à la guerre, c'est qu'elle simplifie les équations. Les Occidentaux étant engagés jusqu'au cou et même jusqu'aux épaules pour les Américains dans le soutien à l'Ukraine, et la guerre n'étant pas terminée, l'OTAN en sommet ne peut pas échouer. La Turquie a donc retiré son veto. C'est pas la première fois que le président Erdogan dresse une sorte de souk à l'entrée du sommet et marchande pendant des heures. À Évian, il y a 15 ans, il s'était opposé mordicus à la nomination d'un Danois comme secrétaire général de l'OTAN, parce que les caricatures de Mahomet avaient été publiées dans un journal danois. Le chantage avait marché, les Américains avaient payé. En prime, Erdogan et ses ministres s'étaient offert un retour triomphal à Ankara, acclamé par leurs partisans, convoqués en pleine nuit à l'aéroport. Et hier soir encore, c'est devant les caméras que les ministres turcs, suédois, finlandais
ont signé cet accord. Erdogan a commenté « La Turquie a obtenu ce qu'elle voulait ». Il n'a pas précisé si le Pentagone allait lui livrer les chasseurs qu'il réclame ou s'il avait désormais les mains libres pour régler leurs comptes aux Peshmerga, aux Kurdes qui servent aujourd'hui de garde-chiourme dans les camps où sont enfermés les djihadistes français. Les Américains prétendent qu'il n'a rien exigé, on le saura rapidement. L'essentiel pour le président turc, c'est qu'il a réussi, une fois de plus, à tenir la dragée haute aux Occidentaux. Bon, comme on dit, Vincent, avec un allié pareil, on n'a pas forcément besoin d'ennemis. Hein. Alors la Turquie est entrée dans l'OTAN il y a 70 ans pile. En 1952, en pleine guerre froide, son adhésion était une victoire. Elle permettait à l'OTAN de verrouiller la mer Noire et de surveiller la frontière sud de l'Union soviétique. Elle ancrait aussi la Turquie dans une perspective européenne. Quand est-ce que la défiance s'est installée? Ben, c'est difficile à dire parce que les généraux qui tiraient les ficelles à Ankara se disaient déjà prêts à renverser leurs alliances à tout moment. Ensuite, Recep Tayyip Erdogan a méthodiquement sapé les bases libérales, laïques, européennes du pays, se rapprochant toujours plus des régimes autoritaires. Et aujourd'hui encore, la Turquie ménage Moscou comme Pékin. Elle a refusé de sanctionner l'invasion de l'Ukraine. La bonne presse islamiste répète que la Turquie doit s'éloigner de l'Ouest en déclin et en décadence, mais rester un carrefour entre l'Est et l'Ouest, une porte entre deux mondes, une sublime porte évidemment. Évidemment, c'est un partenaire difficile donc que la Turquie, mais un partenaire précieux. À tous, aux Russes, auxquels les Turcs auraient acheté une partie des céréales volées en Ukraine, aux Ukrainiens auxquels ils vendent les fameux drones Bayraktar qui ont décimé les colonnes blindées, et aux uns et aux autres auxquels ils offrent un cadre pour négocier le jour venu. On a compris que ce n'était pas attendu avant la fin d'année, en tout cas avant les élections du mid-term aux États-Unis. Pour le reste, le G7 a déjà promis à l'Ukraine un programme solide d'assistance militaire et financière et promis que cette aide durera le temps qu'il faudra. L'OTAN ne fera sûrement pas mieux aujourd'hui. L'OTAN ne réussira pas davantage à arrêter la guerre, à freiner la hausse des prix, à vider les silos à grains ukrainiens, à empêcher la crise alimentaire, l'aggravation de la crise climatique, l'inflation et la flambée des cours de l'énergie. La consolation, c'est que la Turquie est rentrée dans le rang. Alors peut-être que les Occidentaux devraient s'appuyer sur les talents de négociateurs de M. Erdogan pour mettre fin à la guerre en Ukraine, mais sans accepter aucun compromis pour obtenir que l'ennemi capitule, mais sans avoir jamais à le combattre directement. Voilà, c'est donc ça, ce sommet historique, la Turquie qui rentre dans le rang. Bah, finalement, c'est peut-être plus modeste que ce que l'on en dit, que ce que l'on en lit. Bon. Eh bien écoutez, à bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas le pouce et abonnez-vous. Salut.